Reims 13e accueille Rennes 3e. Des Rennais qui restent sur un nul après 5 victoires. C'est un très léger ralentissement. Les Bretons veulent retrouver tout de suite le goût du succès pour rester tout en haut du classement sur le podium. Reims de son côté reste sur une défaite après 5 matchs sans perdre. Une mauvaise habitude que les Rémois ne veulent pas prendre. Ils avaient d'ailleurs su, et c'est une des rares équipes cette saison à l'avoir fait, gagner sur le terrain de Rennes cette saison. Reims avait gagné 2-0 en Bretagne lors du premier match cette saison entre les deux clubs. Reims va essayer de le faire de nouveau avec Buzy et Conan sur les côtés. Van Bergen est beaucoup en attaque. Rennes se présente avec Terrier, Maillard, Bourigeaud et Laborde. Première action pour les Rennais avec ce centre et la reprise de la tête. À bout portant, le centre parfait de Laborde pour trouver Benjamin Bourigeaud. 1-0 pour le Stade Rennais à la 39e minute. 7e but de la saison pour Bourigeaud qui arrive bien lancé. C'est dans une bonne zone. Et il arrive à marquer ce but très important. Rennes est bien parti et continue à accélérer. Avec cette action pour Amari Traoré, le 1-2 fonctionne. Amari Traoré remet ce ballon derrière lui pour un nouveau but de Bourigeaud. Quelle action entre Bourigeaud et Amari Traoré. Le capitaine rennais, l'international malien, redonne bien le ballon à Bourigeaud pour un doublé à la 43e minute. 8e but de la saison pour Bourigeaud. Les Rennais ont été efficaces dans les dernières minutes de la première période et mènent donc 2-0 à la mi-temps. Parfait pour rester bien positionné au classement. Encore faut-il confirmer en seconde période. Reims peut toujours revenir devant son public. Bruno Genesio a donc demandé à ses joueurs de continuer à développer de bonnes actions. C'est le cas ici avec Martin Terrier. Terrier qui réussit à échapper à la défense rémoise pour porter le score à 3-0 à la 58e minute. Et déjà un 18e but cette saison pour Martin Terrier. Quel total énorme. Terrier est efficace. Il dépose Foket pour ensuite ajuster Rajkovic. Les Rennais sont plus forts. Ça se voit sur le terrain, ça se voit au tableau d'affichage. Mais Reims trouve des solutions avec Ghislain Conan, l'international ivoirien, pour le centre. Et la reprise de la tête efficace de Maxime Buzy. Le Belge marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats à l'heure de jeu. Réduction de l'écart à 3-1. Intervention pas exceptionnelle d'Alemdar, le gardien de but de Rennes. Reims croit donc en sa chance avec cette nouvelle opportunité. La balle dans la surface, le tir repoussé par Alemdar. Une autre chance, le contact de la surface, pénalty accordé par l'arbitre. Voilà bien la chance des Rémois. La faute sur Ilan Kebal. Et le pénalty pour Doumbia, c'est sauvé par Alemdar. Une grosse chance de revenir à 3-2 à la 78e minute. Mais les Rémois insistent avec toujours Conan sur le côté, le centre. C'est repoussé par Alemdar. Puis ce ballon touché du bras. Et un nouveau pénalty pour le Stade de Reims, 3 minutes après le précédent. Il s'agirait de réussir à marquer celui-là. Ce n'est pas le même tireur. Pas de Doumbia, mais Jens Lys qui ajuste. Et le Suédois, recruté cet hiver, réussit à marquer. C'est son 2e but de la saison. Et il n'y a plus que 3-2 à la 81e minute. Il reste encore du temps pour Reims pour essayer d'égaliser à 3 partout. Mais Rennes résiste et maintient son avantage jusqu'au bout. Victoire de Rennes, 3-2 sur le terrain de Reims.